Ah d'accord, on reprend directement. Par ici. Ok. Bon bah salut les Je te viewers viens et les d'habiter. viewers, c'est On est Marcus tout Bonus. là-dedans. Et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo et la suite donc de l'aventure Marvel's Avengers. Prendre faction et de les récompenses. Ouh, cool. Rien Là. cette fois? Attends, attends. Cool. Bon, ça devait être une erreur. 1161, ça peut pas être le full. Bienvenue. Je vous regarderai pas trop, promis. C'est juste que je suis super impressionné. T'es toujours une vendeuse, t'es Non, toujours bon une bah, vendeuse, donc me regarde pas. prochaine fois. Les coffres sont ouverts. Ok, très bien. Bon bah écoutez, on va retourner à la table des missions et on va continuer l'aventure vu qu'apparemment, bah, c'est pas trop le cas. Donc j'ai pas encore monté l'épisode d'hier. Pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas enregistré dans le bon format avec mon logiciel de montage qui est tout neuf. Ne le prends pas ce format. Bonjour à tous ici. Venez voir ce que Forcément. je vends, que je puisse Mais bon, préparer votre apparemment, il y cadeau. a, à part certains bugs, il n'y a pas trop de problèmes cette fois-ci. Donc, plutôt bonne nouvelle. Finalement. Rien se payer Vous véritablement. n'allez pas financer mon addiction au Bonjour à café? tous ici. Vraiment? Oh, j'ai tellement envie de le faire maintenant! Parce que moi aussi, j'ai un café dans la tasse. Bah oui. Bon, eh oh, la suite. Les mecs, Accès au hein. réseau Skywatch. Hey, watch. Ah, on est en plus 13 au niveau de la puissance. Ah ouais. Parce que là, Iron Man est à 10 de puissance. 17, bah non. Donc il est plein. Hop. On s'occupe de tout virer. Que tout est au point au passage, oui. On a du PIM et du Gamma, mais on n'a pas de. On a du Hammer, du PIM et du Stark. Je pense. Je ferai que je vérifie. Enfin, que je vérifie, que je cherche. Que pour Iron Man, il faudra un build, on va dire mixte, c'est-à-dire avec chacun des effets potentiels ou une certaine quantité d'effets potentiels différents pour qu'il soit viable. Principalement parce que je pense qu'il n'est pas aussi au point que d'autres personnages. À voir, hein, mais. Oh, ça c'est cool. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est cool. Par contre, du coup, oui, il a un point de puissance en moins. Hein, et un peu moins d'attaque. Bon, on va le prendre comme ça. On verra bien. J'ai envie de dire très bien. On va prendre cette mission, mais elle va être difficile. Elle va être difficile. De toute façon, la difficulté de la campagne est difficile. Je ne sais pas si c'est viable véritablement. Je ne sais pas s'il y a un véritable intérêt. J'ai pas l'impression qu'on chope de l'équipement. Enfin, on le Ça chope fait qu'à la des heures fin qu'on du niveau, cherche. quoi. L'équipement Mais il y a une intéressant. zone. Ah, les gars, 10 de puissance. On sait bien ce qu'on disait tout à l'heure, donc. Ça va être tendu du slip, hein. Je vais pas. On va optimiser un maximum là par contre. Hein. Clairement, on va pas s'amuser à perdre des points bêtement. Là, le problème c'est que c'est du blanc. J'ai pas envie de mettre des points de du blanc. Eh ben, let's go! Que j'ai laissé de côté. On Ça y va est chier. presque. C'est un foyer d'activité de l'AIM. Je crois que je vais faire appel au grand gaillard. On n'avait pas Hulk dans le début de mission D'accord, les enfants. d'hier? Je compte sur vous pour trouver cette deuxième signature thermique. Avec un peu de chance, on récupérera un joli paquet de noyaux déclencheurs.
La IEM ne va pas tarder à retrouver la trace du chimère. Et sans base d'opération, eh bien... on risque de boire la tasse. Alors je compte sur vous. Boire la tasse. Bonne chance. C'est... beaucoup de pression. Mais non. Alors, apparemment, le patch Day One est sorti. Il n'y aura pas beaucoup de différence, à mon avis, mais bon. Comme ça. L'autre petite différence que je pourrais dire, c'est que, à mon avis, la plupart des bugs d'enregistrement que j'ai viennent du memory leak, d'une fuite de mémoire, dont le jeu avait déjà malheureusement quelques problèmes. Ce qui laisse supposer une concentration de noyaux déclencheurs potentiels. Ils doivent être stockés dans un lieu unique, un bâtiment sans doute. Compris. Pendant chercher la bêta. Un coffre d'équipement à proximité. Et que donc, en fait, on a pu le voir, plus je rechargeais le jeu à cause de mes morts multiples hier soir, plus... Vous voyez quelque chose ? RAS ici ! On aurait dit la voix de Mark Ruffalo dans le MCU, mais c'est pas grave. Parfait ça. Elle est verte ? D'accord, je la voyais bleue, mais elle est verte maintenant. Ok, cool. C'est pas grave. Bon, on va pouvoir récupérer du stuff un peu meilleur. J'espère qu'on va pas se faire avoir. Si cette difficulté ne nous apporte pas le stuff que je réclame. Après, peut-être qu'elle nous l'apportera pas pendant les... pendant les... la campagne. C'est peut-être ça c'est le... C'est quoi ce symbole ? C'est un mémorial. En l'honneur de ceux qui ont donné leur vie pour... la résistance. Ils étaient là! Je sais, c'est pas la mission. Équipe Alpha, Bravo et Charlie, silence radio pour l'instant. Évitez ce canal, sauf si vous trouvez les cibles. Ah! Je me disais aussi, c'était un petit peu trop. Hop. On a clairement besoin de cet équipement de niveau supérieur. Hulk! Bon, ça va, il a l'air d'aller bien. Franchement, j'ai douté l'espace d'un instant. J'ai trouvé une cache dans la section 12. Je la liquide. Et donc, pour me rendre là-bas... Ok. Jarvis ? Oui, mademoiselle Khan. C'est moi ? Ou Hulk n'est pas son alter ego vert ? Je crois que le docteur Banner a du mal à se remettre de la mort de notre cher capitaine, mademoiselle Khan. D'après certains de ses mémos, il est revenu aux chimères, bien décidé à trouver une solution aux événements du Heyday. Mais ce qu'il a pris pour des échecs l'a rendu furieux. Oh. Bien sûr. Bruce se sent coupable. Ils se sentent tous coupables, mademoiselle Khan. Vous aussi vous sentez le sol trembler ? Est-ce que c'est ce que je crois ? J'ai pas trop compris le principe du... Ah, par contre, j'ai pas vu les cartes aujourd'hui. Bon, on a récupéré des choses, c'est cool. Zone de guerre. Attaque héroïque. 20, d'accord. Terminer zone de guerre sur le littoral est. Hop là, lui doit être couché normalement. Apparemment pas. Wouh! Hop là, on l'a eu. Pour quelques ressources de plus. Mais on l'a eu. On sait jamais, je préfère regarder partout. Je sais pas s'il y a moyen de passer par en haut. Nope. Quelques ressources. Ah! Il y avait forcément une raison. Ah, vous m'avez vu? Mais non!
Mais non, t'as rien vu. Si, t'as vu quelque chose? Je crois qu'il m'en veut. Bon, très bien. Raté. Vous êtes pas bon. Ah, là par contre c'est moi qui suis pas bon. Là je me fais avoir bêtement. Ça doit faire mal. Oh. Punch Falcon. Bon. Ah, je suis pas revenu à ma taille normale par hasard. Si, ouais, hein. On voit la différence, hein. C'est quand même beaucoup moins de dégâts. Alors par contre t'es mignon avec ses... Ah, il est planqué derrière son arbre, hein. Et lui, il est planqué à moitié dans le sol. Bon bah, si tu veux pas qu'on te termine. Bon bah, Hulk lui a mis tellement cher. Salut. Allez, couchez. Mais, c'est un coffre. C'est un coffre. Mais, c'est de l'équipement blanc. Bah. Hop là. C'est un coffre. Mais oui. Ouh, c'est de l'équipement bleu par contre. Ah, oh, il est pas mieux. Ah, il est loin d'être aussi bien même. J'entre pas dans la cage. Oh. Il y a un conteneur de ressources spéciales à proximité. Ça allait pas être un conteneur de... d'équipement, n'est-ce pas? Enfin, je peux passer comme ça? Non, je ne peux pas. Pourtant, Iron Man peut passer dans les trous comme ça. Il y a un étage inférieur? Ah non, c'est juste un... Ok, bon, on va aller le visiter parce que de toute façon, on sait jamais. Les ressources, c'est toujours ça de prix, on va en avoir besoin en endgame, clairement. Et je compte bourrer ce jeu en endgame. C'est pas grave, on t'en veut pas, Kamala, t'inquiète. Ok, cool. Des ressources. Oh bah même un équipement blanc, mais un équipement. La suite. Donc si vous aussi, que ce soit sur console ou sur PC, si vous avez l'impression que plus vous jouez, plus le jeu ralentit, n'hésitez pas à relancer le jeu. C'est tout bête, mais ça vous aidera à survivre à ces baisses de framerate constantes. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu prend de plus en plus de mémoire. Et donc du coup, bah, votre console ou votre PC ralentit, quelle que soit la... la qualité de votre PC ou de votre console d'ailleurs. J'allais pas à trouver ça par là, mais je ne dis jamais non, mais apparemment c'est vide. Bon, c'est vide, tout est relatif, mais disons que c'est pas aussi rempli que ce que je souhaiterais. Mais c'est déjà ça de près. Technologie de l'AIM à proximité. J'espère que c'est ce qu'il nous faut. Dans la grotte. Dans la grotte. On va dans la grosse grotte. En tout cas, on n'avait pas trop visité de zone du genre. Bon là par contre c'est répétitif. Qu'est-ce qu'elle fait? Pas de noyau ici. Continuons à chercher. Ah, c'est un traquenard, d'accord.
Dégage. Hop là. Bah, faut savoir, tu tombes ou tu tombes pas. Ce combo est quand même très puissant. Faudrait pas tomber, voilà. Hulk ? Alors ? Oh, ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse. Non ! Pff, c'est un coup à crever ça. On va essayer de se mettre à côté de Hulk. Réanimation en cours. Allez, dégage. Hulk prend cher. Équipement plus puissant disponible. J'ai récupéré un équipement. Ouh. Ce coup est tellement stylé, il y a une espèce de fluidité dans le geste qui est vraiment assez incroyable. On a donc un meilleur équipement disponible. Ok. Du bleu. Bon bah on va pas s'en plaindre. Par contre ouais, on a du mal à faire monter les points d'équipement. Ici. Ça c'est stylé. Aussi. Ça c'est tellement. Ça peut être pratique, mais j'ai toujours eu du mal à le placer. Ça le truc qui me dérange le plus. Je vais partir sur ça. Puis sur ceci. Pour pouvoir réutiliser un petit peu. D'autres AOE, puisque pour l'instant je la sens un petit peu. Ouais, ce serait peut-être ça que j'aurais dû partir, mais bon. J'ai besoin de cette AOE, j'ai besoin surtout aussi de la commande, de la capacité de régénération. Il y aura légèrement à côté. Pourquoi ils sont cassés les. J'ai encore rien fait que je sache. Et juste d'en avoir envoyé un jusqu'ici. Premièrement, cela ressemble à une arène. Non, ils ont bousillé le noyau. Ils veulent en détruire autant que possible. Alors il faut faire vite. J'ai indiqué sur votre ATH un autre lieu où trouver un noyau. Oh. Seriously, bro ? Seriously, bro ? Juste m'assurer qu'il n'y ait pas le moindre petit coffre de caché. Par contre, le dialogue ne correspond pas à ce que l'on voit. Mais bon. Qui suis-je pour juger ? Cible repérée. Ils sont encore des rebelles de la résistance. Oh non ! C'est Hulk ! Et ces maudits Avengers ! Faut nous envoyer des renforts ! On dirait pas des. Qui vaille ! Rien à voir avec les troufions de la IM. Mademoiselle ouais. Khan, je crois qu'ils appartiennent à un groupe qui se fait appeler les chiens de garde. Il s'agit d'une organisation d'extrémistes anti-super-héros. Proto. Génial ! Et bah ils roulent pour la IM maintenant. J'ai besoin de régénérer. Par contre, vous me faites vraiment chier. Ok. Ça va pas le faire. Ah putain. Ré. Ah non, ça va pas le faire. Hein. Je l'ai même pas eu.
Par contre, si tu fais ça, c'est dégueulasse. Je le dis de suite. C'est dégueulasse. Et ils sont tous là en plus. C'est vraiment dégueulasse. Ah oh. C'est dégueulasse. Hulk, tu fais quoi? Allez, merci du coup de main Hulk. Ça fait toujours plaisir de se sentir aidé. Esprit d'équipe, blindage. Ah bah, tu pouvais pas faire ça depuis le début? Ils sont intouchables pour moi. Et ils font bugger le sol. Cerber battu. Oh oui, de la santé, ça va me faire du bien, merci. C'est eux le problème. Non mais Hulk, t'es tout de ma gueule. C'est censé être le tank de l'équipe. Allez Hulk, you can do it. Ah! Toujours une question de trou. Et c'est là que tu regrettes de ne pas avoir pris un point de compétence adéquat. Ah, ok. Par contre, c'est dommage qu'il fasse bugger toutes les. Il est mourant, lui. Ok. Ça en fait au moins un qu'on aura buté de la sorte. Oh merde, c'est pas fini. Allez Hulk, on insiste. Oh, j'ai été touché. Vexé. Ça me permet de récupérer de la santé. Oh, vache. Merci Hulk. Ça fait beaucoup de. Faut que je sorte d'en bas. J'ai cherché de la santé un peu plus haut. Il y a des ressources là-bas, mais. Et headshot, ça compte. Le loot. Raté. Wouh. Hulk l'a eu l'autre. C'est tendu du slip, hein. Où est-ce qu'on est arrivé ici? Il manque des choses. On a récupéré. Il manque des dixièmes de secondes de. Désert. De cinématique. Je suis la seule ou quoi? À y croire. Hein? Où y sont tous les autres inhumains? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se battent pas? Je sais pas. J'ai vu les symboles de la résistance. Des rumeurs parlent d'une rébellion, mais pourtant, on n'a encore rien trouvé. Je me sens pas malade du tout. Je me suis jamais sentie aussi vivante. Ah, ça y est. Et si je me trompais ? Je sais ce que tu ressens. Ces pouvoirs font partie de nous. Et tout ce que je sais, c'est que ça va mieux quand on les accepte. Mais il t'étend ?
Ou quelque chose comme ça. Mon père disait la même chose. C'est un homme intelligent. Le meilleur. On va retourner aux chimères. Il fallait pas des piles pour le chimère ? Des triple A ? D'accord. Des double A. Ah ah. Restez où vous êtes. Oh non. Allez. Une gamine et un vieux. Un vieux ? C'est bon. Le docteur Pym va vous recevoir. Oh merde. Doc. Hank Pym ? C'est merveilleux. Ah. Il y va, mais alors ? Hank ? Boss ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ant-Man ? J'allais te demander la même chose. Oh, je suis content de te voir. Aussi. Kamala, voici le docteur Hank Pym. Ant-Man. Ant-Man ? C'était dans une autre vie. Suivez-moi. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on n'a rien trouvé. Pas mal, là, les ressources. On a récupéré des armes, des robots, des technologies, tout ce qu'on a pu pour renforcer nos défenses. Ce qui est rigolo, c'est que si Kamala s'approche à moins de 30 cm... Pour aider un héliporteur qui en a bien besoin. Je pense qu'on peut trouver un arrangement. Merci beaucoup. C'est quoi cet endroit ? La ruche ? Je l'appelle la fourmilière. Non, la fourmilière, ouais, c'est plus logique. Eh bien, tous les autres ressentaient ça, alors on l'appelle la résistance. Oh, wow. Donc, ce sont tous... Des inhumains, oui. Beaucoup étaient prisonniers dans un centre de l'IM. Je crois bien qu'ils se défendaient finalement. Il devient sympa, ça va. Faites comme chez vous. On a beaucoup de choses à se raconter. Tout. Je m'attendais tout pas à tout. Tout est coupé ça. En fin de phrase. Bon, bah, en voilà la technologie. Ah non, je peux pas récupérer les ressources. J'ai essayé, hein. Je vous jure que j'ai essayé. Par contre. D'accord. Ok. J'ai pas vu, il y a des armures, des... Enfin, en tout cas, des exosquelettes ou des synthoïdes. Des synthoïdes. Ok. Je sais pas si je peux m'approcher. Eh ben, je suis pas... Je crois que ce sont des armures. Des exosquelettes d'armure. Au passage. Meilleur équipement, meilleur équipement. Vibration légère. D'accord. Ça reste de meilleure qualité, donc je prends. Et on n'a pas obtenu de point de compétence. Malheureusement. Par contre, on a du 12. 12 vert, hein. C'est peut-être mieux. Ah oui, c'est mieux. Ouais, tu me fais chier à pas prendre 12 vert, tu me mets du 12 blanc. Non mais... Voilà. Est-ce que j'enlève le costume ? Ah, attendez. Il y a celui-là ? Ah, il y a celui-là qui est un peu plus... d'accord. J'ai pas piqué celui-là, c'était pas tout à fait... J'ai pas piqué que celui-là, c'était pas tout à fait le même. L'ami de Banner, vous avez une seconde ? Vous êtes le gars du portail ? Oui, c'est moi. Salut Théo. Le gars du portail, à votre service. Ouh. Je m'appelle Kamala. Vos pouvoirs sont géniaux. Merci. Mais vous devriez aller parler à Sarah. Elle est plus loin. Sarah Connor ? Grand écran de surveillance et elle meurt d'envie de vous rencontrer. Moi ? D'accord. Oh oh oh, géante vert. Pardon. Pardon, c'est un second hub ? Je crois que c'est un second hub. Ça, c'est le truc à ouvrir des commandes. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, vous êtes assis sur mon coffre. Allez, ouvert foutre. Ça, c'est un truc de mission. C'est un second hub. Oh. Intéressant. Ouh, un coffre. Et là, personne ne s'assit dessus.
Bon, c'est que des ressources, mais... Visitons. Ah, c'est pas mal. Bonjour. Elle m'a regardé en mode... Pourquoi tu me mates? Des ressources, ok. Donc il y a un coffre d'équipement. Oui ou merde? Salut, bienvenue à la fourmilière. Je suis Cerise, la sœur jumelle de Théo. J'ai les mêmes pouvoirs que mon frère. Gardien du portail, à votre service. T'es con, t'es toute bleue, tu t'appelles Cerise. Ouah, je suis lessivée. On devrait peut-être faire une pause. Pas question. J'ai passé des mois dans une prison à me tourner. Pardon? Ah mais je te veux dans mon équipe, toi. C'est juste Kamala et toi? Non. Kamala est sur le chimère. Alors vous vous reparlez tous les deux? On va dire ça. En fait, c'est Kamala qu'il faut remercier. C'est elle qui a trouvé le grand gaillard. Un comics! Même pas de... Oh là là! Bonjour. Ouh, un vendeur. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt à... Très bien, faites ce que vous voulez, même si ça craint. Je plaisante. Oh, l'irrespect! Ah, c'est mieux. Encore mieux. Oh, la vache! Tu permets? Il veut pas. Tous les gains d'expérience en moins de 3,2%. Très bien. Merci beaucoup. Et ma puissance aussi, au passage. Ça, c'est cool. 13, 14, très bien. Très bien. Je prends! Du coup, tous les gains d'expérience, c'est aussi l'expérience des factions. Parce que ce serait cool. Ce serait même ultra cool. J'avais oublié ce coffre. Je vais pas te lever de mon coffre. Ouh. Un petit 13, ça fait toujours plaisir. 18% de chance. Oh là là. Appuyez sur E. Voilà, c'est bon, t'es content. Déclenche une explosion de dégâts. Ouh. Je suis bien des dégâts, des gants. Je sais pas si c'est positif. Eh, hey, j'aurais besoin de votre aide. Ouais, j'ai bien compris. Tu vas attendre. Le mec qui a pas de respect. Bon, allez, c'est bon. Ah, vous êtes l'ami de Pim qui parcourt le désert? Est-ce que l'AIM vous a envoyé pour nous espionner? Non, je plaisante. J'ai placé des caméras dans certaines des machines cassées que vous avez pu voir dans le désert. C'était génial de vous voir combattre les chiens de garde. Ah, merci. Je m'appelle Sarah Garza. Et il y a déjà beaucoup de choses qui circulent à votre sujet. Des bonnes choses? Ah ouais, on aimerait que vous rejoigniez notre équipe. Si jamais vous avez du temps libre, il y a beaucoup... Ah d'accord, les missions, voilà. Voilà ce dont j'ai besoin. 10 stabilisateurs gyroscopiques, mais bien sûr. Ok. C'est génial. 3 alliés si tu veux, termine une zone de guerre, ouais. Battez les ennemis en disant d'attaque au corps à corps, ça devrait être faisable. Terminez des zones de guerre au niveau de défi 3 ou supérieur, ok. C'est incroyable. Récupérez 5 amplificateurs d'énergie sur les synthoïdes principaux vaincus. On en a vraiment besoin. Battez des combattants ennemis en utilisant des capacités à distance. 40, ravi ok. Qu'un Avenger soit sur le récupérez des faisceaux de câbles sur les Dreadbots vaincus. Un faisceau de câbles. Si d'accord. Seulement les agents du Shield avaient... Récupérez des faisceaux de câbles sur les Dreadbots. D'accord, ok. Vous me sauvez la vie. Oui, si vous tu le dis. Vous pourriez regarder ce qu'il y a dans le coffre derrière vous. Je vais recevoir une nouvelle livraison et j'ai pas encore eu le temps. Bah écoute, je veux bien y aller, mais je suis coincé par un mur invisible. Parce que c'est aussi un allié des Inhumains. Le mur invisible. Parce que le mur est une créature de l'univers Marvel. Sarah va apprécier. Ou l'homme mur. Ou le... Non, je crois que c'est le mur. Pardon, je te reparle. J'ai besoin d'aide par ici. Merci beaucoup. Pas de problème, contente d'avoir pu aider. Vous voulez que je vous dise un secret? Les robots qui sont ici sont tous issus des projets de PIM. Le tout premier, Mark 1, se trouve près de l'atelier à côté de l'escalier. On peut pas le rater. Ok. Mais tu veux qu'on... Je peux aller jeter un œil. Puis-je
puis-je vous aider ? C'est un vendeur ! Mon cher nouvelle cliente, avez-vous besoin de mes services ? Ah ben avec plaisir. Pardon, je te regardais fixement, désolé. Je ne ressens rien concernant la direction de votre regard. Toute trace de mon passé a été effacée pour des raisons de sécurité. Oh, c'est plutôt... triste. Ma programmation estime que le fait de s'intéresser à des choses aussi futiles nuit à l'efficacité. Je ne ressens de la joie qu'en accomplissant une transaction. Donc, plus j'achète, plus t'es content. Affirmatif. Prenez votre temps. Je n'ai été programmé pour rien d'autre et je dois attendre votre décision. Plus j'achète, plus t'es content. C'était pas mal comme phrase. Ne pas sortir du contexte. Intéressant. Tout ça, c'est extrêmement intéressant, mais j'ai pas envie de gaspiller mes ressources. Psst, pas de panique, mais le docteur Madicho veut vous voir dans son bureau. Quoi ? Le docteur Madicho, c'est moi. Passez me voir au labo, je vous donnerai quelques petites surprises. Ah oui, c'est la vilaine de tout à l'heure, celle qui s'est foutue de moi. Alors, avant d'aller te voir, je viens de remarquer qu'il y a une espèce de petit symbole d'interaction. On dirait qu'ils testent les particules de PIM. J'espère qu'elles seront vite exploitables. Je sens que vous... Eh ben... Je sens que vous avez très envie de me parler. Je sens que vous avez une... J'ai une quête à vous donner. Je m'appelle Maddy. Génie en biologie. Ne dites pas à PIM que... Je peux me regarder quand je... Votre secret sera bien gardé. Vous m'avez demandé de passer ? Oui. Je suis peut-être pas une inhumaine, mais je peux vous fournir en équipement et en gadgets. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous rendre plus rapide, plus forte ou plus extensible, demandez-le-moi. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Ça me permet de confirmer que je suis plus intelligente que les autres. Apportez-moi les matériaux dont j'ai besoin et je construirai des équipements qui feront le plus grand malheur de l'IM. J'ai déjà quelques prototypes, vous pouvez y jeter un œil. Je sens que vous avez très envie de me parler. Cette phrase va être assez casse-couille au bout d'un moment. C'est génial! Je suis impressionnée. Je peux vous aider pour quelque chose? Pas pour l'instant, mais vous pouvez aider ce cher Pim sur une petite tâche. Allez voir le terminal de mission, il vous donnera tous les détails. Le terminal de mission, c'est noté. Relevez la tête et redressez les épaules. Ah, là c'est mission emblématique, cool. Et donc, Pim... Pim dans ta gueule, ok, très bien. Montrer à l'AIM mon plein potentiel. Qu'en penses-tu, Jarvis ? Je pense que vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez d'entreprendre, mademoiselle K. Oh, ça si c'est pas du compliment. Très bien. En défi 3, parfait, on est pile dans ce qu'on cherche. Très bien. Modificateur, tous les dégâts de projectiles sont nettement augmentés. Ah, et ils sont plus rapidement étourdis. Très bien, allons-y. Moi, je demande pas mieux. L'AIM a mené des expériences sur des inhumains dans plusieurs labos de la région. Maintenant que nous avons des renforts, je pense qu'on pourrait pénétrer dans un des vieux labos assez facilement. Je suis pour. On a envahi un de leurs gros labos dans le Nord-Ouest Pacifique. Globalement, c'est ça. Merci. On n'a pas récupéré beaucoup d'infos, mais c'est peut-être l'occasion d'en savoir plus. Comment ça, sélection de héros? Ah oui, c'est parce que j'ai pas activé le... Oui, je sais, je suis au courant. Voilà. Pas très compliqué. Lançons la mission. L'AIM a installé des bases dans les petites villes de l'Ouest. Nous pensons qu'il s'agit de laboratoires de test, dans lesquels ils enferment des inhumains des environs pour mener des expériences. D'accord. J'arrive pas à croire qu'il s'est passé tout ça sans que le gouvernement s'en aperçoive. Ils ont beaucoup d'influence à Washington, ainsi que des liens financiers avec les plus grandes sociétés. Les lobbies, bravo. Pour se faire un réseau. S'attaquer à eux ne sera pas facile. Il faut bien commencer quelque part. On va faire ce qu'il faut. Tu parles comme un autre Avenger que j'ai connu autrefois. Un certain capitaine. Cette installation capitaine était l'un des Roger. Premiers laboratoires de l'AIM. Mais cela fait un certain temps qu'ils se concentrent sur leur prison principale. Ça veut dire que celle-ci est certainement moins bien protégée. Compris.
Ouvrez l'œil au cas où il y ait des patrouilles de l'AIM. Avec un peu de chance, on pourra récupérer des informations susceptibles de nous éclairer sur ce qu'ils font aux inhumains. Ils auraient pu lui fournir un meilleur masque. J'ai indiqué l'entrée du complexe sur votre ATH. Attention aux patrouilles. Merci infiniment. C'est bien naturel. Vous m'avez aidé à tenir quand tout semblait perdu. Savoir que la résistance se battait, ça m'a redonné espoir. On dirait que la chance est enfin de notre côté. Aucun problème. On attaque les Avengers. Oh. Joli. Cool, un punching ball. Aïe. J'ai pas récupéré un point de compétence. Pardon. Un point de compétence. Je me rappelle déjà plus où est-ce que j'ai mis le point. Ah oui, dans ça. Bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir parer automatiquement. Esquiver et parer automatiquement. Enfin, contrer automatiquement une attaque. C'est ça qui va nous intéresser le plus, je pense. Ah, dans la petite ville. Nice. Je l'avais vu en. Vous pensez qu'on trouvera de quoi prouver que l'AIM s'en prend aux inhumains ? L'AIM protège bien ses données. On n'a encore rien trouvé de probant. Tout ce qu'on a, c'est la parole des inhumains. Et je crains que ça ne suffise pas. L'un de nos alliés de la résistance a besoin d'aide. Hop là, salut les mecs. Position. Ah, t'es dommage. Wow! Il s'est passé quoi? Ils ont ouvert la porte? Hop là! Couché. On va sauver notre. Notre ami. Oui, t'inquiète pas, je suis là! Hein. Je sais pas si tu m'as vu, mais j'étais là depuis le début. Mais je crois qu'il y avait un gros monsieur vert devant moi. Je t'en prie. Ça a marché. Théo. Faites le nécessaire. Vous allez, Théo. Oui, Théo, c'est ça qui est bon. J'ai envie d'aller voir là-bas, il y a marqué AIM en gros. Enfin, il y a le logo. Oh oh, je vois des méchants. Du coup, je me dis que. Ouh. C'est ça, amenez-vous. Nice. Et un coffre. Bon boulot. Mais on s'en fout de l'AIM, ils sont nuls. Tu le sais bien, t'es bien placé pour le savoir. En secret depuis tout ce temps. Pas intentionnellement, du moins pas au début. L'AIM a capturé la plupart d'entre nous dès le départ. Quand on a compris que personne... Oh. Putain, j'ai pris cher. Ça s'ouvre. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose dedans, mais. Mais n'empêche que je veux rentrer. Et apparemment, je ne peux pas. Bon, ça me dérange pas de pas pouvoir rentrer, il n'y a pas de. Est-ce qu'ils gardent les inhumains ? En laboratoire, ils les gardent dans des unités. Ouh, un coffre doré qui est planqué. L'AIM doit les avoir sous la main pendant les tests. Non, c'est pas un doré. Vous imaginez pourquoi ? Bah oui, pour récupérer les pouvoirs et les remettre dans l'ordre. Comme ils disent, hein, pouvoir contrôler tout ça et s'assurer que personne ne fasse de mauvaises actions avec. Hein, parce que ce serait dommage de faire des actions qui seraient contre-productives au niveau de l'argent de multimillionnaires et de sociétés absolument incroyables. Tu as une idée qui embauchent de des millions de gens. Une fois à l'intérieur, je pourrais scanner la zone pour connaître la technologie disponible. On est à Venture Ridge. Venture Ridge. Bon. Où sont les autres coffres ? C'est parti. Hop là. Ça c'est cool.
Ouh, salut Hulk. La map est assez grande, hein, on va pas se mentir, je suis surpris. Hein. Ok, ça m'a... J'irai pas jusqu'à dire que ça m'a foutu les boules, mais je l'ai pas vu venir. Je vais partout où je vois de l'AIM, hein, et du jaune. Hein. Ah, faut que je pense à utiliser ça aussi. Oh. Bateau au cac. Bon bah, je bats pas au cac. Le seul qui se bat au cac, je l'esquive en, par peur. On va dire. Si on veut. Oh la pauvre, elle a l'air d'avoir pris ultra cher. Bon, apparemment pas de... Un trou béant vers la mort. En plein milieu de la ville. Très bien. Une cage d'équipement de l'AIM. Je vous conseille d'essayer de l'ouvrir. Son contenu pourrait vous intéresser. Attention, c'est peut-être un piège. Pour expliquer les différents events, par contre le son bug un peu. Hein. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Oh. J'ai besoin de soins. Allez sur les flancs. Hey, mais d'où sort ce truc? Bon, ah, il a appelé le Hulkbuster. Très bien. Ah ah! Ça va être très pratique. Oh non, ce bug est pas résolu. Alors ça c'est honteux. Parce que si ce bug est pas résolu, il y a des objectifs de quête qu'on va pas pouvoir affronter. C'est dans la bêta, c'était dans la bêta. C'est pas normal que ce ne soit pas résolu. C'est une véritable catastrophe. On fait deux. On fait trois. Accès au quatre. Oh, ça pète le vert. Ça comme bon nous semble. Ça, par contre, je suis désolé, c'est pas normal. Ça peut paraître un petit peu excessif ma réaction, mais c'est pas normal. Ça m'a bloqué dans cette mission de la bêta. Ça m'a fait perdre du temps au niveau de la bêta. Et ça devrait être résolu. Ça ne l'est pas. Assez colère. Je suis assez colère. Non mais... Je suis pas content. Pardon. Et pour le coup, je trouve ça un peu... Un peu décevant. Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Allez. Ah.
On a du bol, hein. Oh non! Non! Et voyez, j'aurais pas accès au loot à cause de ça. Et c'est pas normal. Justement, c'est un des événements qui me permet d'avoir le meilleur loot possible. Et j'y aurais pas accès. Je suis déçu. Je suis très déçu. Là par contre, s'il y a pas photo, je suis déçu. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout simplement, il y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est juste que c'est pas normal. Que ce genre de choses qui est déjà apparu, qui a déjà été remonté au dev, soit encore présent dans la version finale du jeu. Et le mob est encore là, hein. Vous avez vu? Alors on va essayer un truc. Et si ça passe pas... Non, c'était pas le mob. C'était juste ça. Ça c'est très bizarre. C'est encore un truc buggé à mon avis. C'est décevant. C'est extrêmement décevant. Pardon. Surveillez vos arrières. Mais du coup c'est inquiétant pour la suite de la... C'est comme ça, c'est pété aussi ça. Voilà, merci. Et en fait, Iron Man est buggé, c'est exactement les mêmes bugs que dans la mission de la bêta. Exactement les mêmes. Alors ça par contre c'est vraiment, vraiment pas bien. Je sais plus ce que je voulais voir. Allons-y, c'est pas grave. Je suis déçu. C'est la première fois que ce jeu me déçoit pour le coup. Véritablement. Véritablement déçu. Bonjour, t'es très stylé, je dois le reconnaître. Allons-y! L'AIM a lancé les procédures d'urgence. Oula. Par contre, tu te mets à faire laguer mon jeu, on va être moins copains. Je me suis pris un tir. Récupérer de la santé pour tout le monde. Salut! Monsieur le pacificateur d'élite. Oh, du loot! Étonnant! Du blanc! Je suis vexé. Oh! Allez, Hulk, tu peux le faire. Ah, très bien. Merci Kamala, tu fais ce que tu... Waouh, un missile. Vous avez vu les dégâts du missile? Sérieusement, vous avez vu les dégâts du missile? Chaleur s'est fait avoir. Ils n'ont pas l'air d'apprécier les visiteurs ici. Je vais leur coller une sale note.
Les dégâts du missile étaient assez incroyables. Écoute, je vais pas dire non à 1% de défense en plus. Vas-y, let's go. Oh là là. Interaction à distance. Ça, je suis au courant. Vous devez détruire le système de sécurité. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu détruises l'espèce d'effet très 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 pixelisé qu'il y a d'un coup sur le jeu. À cause du brouillard volumétrique. C'était un piège. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait ? Détruisez les deux transformateurs à l'étage et les portes de l'ascenseur devraient s'ouvrir. Encore une fois, je vous invite à regarder la quantité de dégâts. Ouais. Bien joué. Bien. Encore un. La gamine est à terre. Ton chevalier en armure est là. Un missile me fait 80% de dégâts. 80%. Merci. Je vous laisse. Ça a marché. Entrons là-dedans. Un missile, 80% de dégâts. C'est tendu, hein. C'est extrêmement tendu, 80%, c'est incroyable. Oh là là. Alors, vous étiez prisonnier, vous aussi ? Vous n'êtes pas un inhumain, pourtant. D'après Tarleton, quiconque a des pouvoirs est une menace. Ils ont altéré ma physiologie pour que je n'utilise plus jamais les miens. Si je change de taille, je meurs. Je suis désolé. D'accord. Donc on n'aura jamais d'Ant-Man. Ça mène où ? D'après les dossiers, vous vous dirigez vers un labo sécurisé. Pitié pas encore une fois la même... Le pauvre. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes... Les mêmes events dedans, on va dire. Quoique. Oh oh, ça va pas fort, hein. Bah alors Tony, t'es censé être le plus puissant du groupe, hein. T'es sûr qu'il y a le meilleur équipement. Tu rattrapes petit à petit, mais... Oh, c'est frustrant. Le bon terme, c'est frustrant. Surtout si ça me bloque une mission. C'était Iron Man, pardon, je regardais le truc là-haut, là, le... Ça. Je me disais qu'il y avait un truc chelou, qui était pas habituel. Et du coup, il est présent sur tous. Pipipu. Il est où le dernier? Oh oh. Ça y est. C'est facile. Pas très visible, mais facile. Après j'avais lu qu'on aurait appuyé sur V, on aurait vu tout le lien, mais... Toujours plaisir. Surtout quand c'est pas de meilleure qualité que ce que j'ai. Le mec qui se plaint tout le temps. C'est...
Hop là, la suite. On est vraiment au bon endroit. J'ai presque pire. Waouh, crash. Un crash, les amis. Waouh. Intéressant. Fait mal. Ça fait très très mal. Incroyable. Absolument incroyable. Est-ce que le jeu peut réapparaître sur mon... Voilà. Alors j'imagine qu'on va pas reprendre là où nous en étions. Ça aurait été bien qu'il limite les personnages que l'on voit dans les chargements au moment... aux personnages que l'on a débloqués dans le jeu, peut-être. Même si on a tous joué avec, ça aurait été peut-être... C'est un meilleur costume que celui qu'elle a. Oui. Yo, vous êtes un super-héros. C'est drôle. Non. Et donc on reprend toute la mission. Un tantinet décevant. Un tantinet décevant. Je dois le reconnaître, pour le coup, je suis... L'AIM a mené des expériences sur des inhumains dans... Je l'ai passé. Et... oui. Le jeu n'aime pas ça, apparemment. Merci. On va la rush cette fois-ci, on va pas se balader dans la ville, on devrait pour récupérer le loot, mais on va pas le faire. L'AIM a installé des bases dans les petites villes de l'Ouest. Nous pensons qu'il s'agit de laboratoires de test. Il y a une bonne quantité de bugs. Des inhumains des environs. Je suis assez... pour mener des expériences. J'arrive pas à croire qu'il s'est passé tout ça sans que le gouvernement s'en aperçoive. Ils ont beaucoup de... Je peux tolérer certains bugs si d'autres ont été corrigés. Pour l'instant, les bugs auxquels j'ai eu affaire pendant la bêta sont toujours là. S'attaquer à eux. Et là par contre, c'est pas normal. Il faut bien commencer quelque part. On va faire ce qu'il faut. Tu recharger une skin, c'est pas un problème. Attendre qu'une... Cette installation était l'un des premiers laboratoires de l'AIM. Mais cela fait un certain temps qu'ils se concentrent sur leur attendre qu'une comment, texture apparaisse, pas un problème. Memory leak, ça protégé. Va être corrigé à un moment ou à un autre, parce que c'est un problème qui est sur toutes les plateformes. Par avec contre, un crash, on pourra récupérer des informations susceptibles de nous les ennemis qui disparaissent dans les murs, tout ça, ça fait très bêta. Voilà pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec... J'ai indiqué l'entrée du complexe sur votre ATH. Attention aux patrouilles. Merci infiniment. C'est bien naturel. Vous m'avez aidé à tenir quand tout semblait perdu. Savoir que la résistance se battait, ça m'a redonné espoir. On dirait que la chance est enfin de notre côté. On y est ! Cette fois-ci, je perds pas de temps. Hein. Je vais directement là où je sais qu'on doit aller. Si Hulk m'en empêche pas... Alors sauf si j'ai un event pile en face, voilà, parfait, j'ai un event. Ça permet de récupérer de la faction de héros. L'AIM protège bien ses données. On n'a encore rien trouvé de probant. Tout ce qu'on a, c'est la parole des inhumains. Et je crains que ça ne suffise pas. Un de nos alliés de la résistance a besoin d'aide non loin de votre position. Ça n'a tué personne. Oh. Oh. Tony. La Hulk. Bon, je vais pas me gêner. Par contre, si vous les faites apparaître au fur et à mesure, moi ça m'arrange pas. J'ai autre chose à faire. Ça a marché. Ça les a Théo, fait disparaître. Faites parfait. Le nécessaire. Vous êtes en sécurité maintenant. Oh.
C'est pas la méthode de déplacement la plus rapide. Quoique. Attendez. Ah, elle va plus loin que. Mais non. Oh. Alors vous prépariez la résistance en secret depuis tout ce temps ? Pas intentionnellement, du moins pas au début. L'AIM a capturé la plupart d'entre nous dès le départ. Quand on a compris que personne ne viendrait nous sauver, on s'est évadé et on a pris les devants. Pourquoi vous pouvez pas vous évader avant alors ? Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Mais j'ai pas envie d'aller l'affronter si c'est pour qu'elle est dans un mur. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Ça par contre... Oh là là ! Le vieil écran noir ! L'AIM a lancé les procédures d'urgence. Moi je vais chercher le loot. Hein. Il est sur mon chemin, je vais pas m'en passer. Ah, j'ai peut-être pas encore reçu le loot. Ah bah... Je me sens pas floué. Merci d'avoir couvert mes arrières. En prie. Ah, oh, j'ai pas le temps d'appuyer sur. Fixez pas la lumière, les enfants. Wow. C'est pas ma meilleure performance. Oh, tu savais quoi? Voilà. Mieux comme ça. Quoi? La gamine est à terre. Je prends tellement de dégâts de la part de ces enfoirés. Hop là. Faut de la santé. Apprécier les visiteurs ici. Je vais leur coller une sale note. Eh bah fais gaffe parce que c'est quand tu balances ce genre de phrase que le jeu prend cher. Donc fais attention à ce que tu dis quand même. Vous devez détruire le système de sécurité. Oh, c'est dur ici. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qu'il fait ? Détruisez les deux transformateurs. La gamine est à terre ! J'ai pas le droit à la moindre roquette et je suis pas prévenu à l'avance. Merci. Ma barre de vie est jaune. Des ennuis par ici. Coup de cœur. Bien joué. Bien. Encore un. Oh, ça fait oh trop la mal. Vache. Merci pour la santé, Iron Man. Ah ok. Ouais bah écoute j'essaye hein, j'essaye mais... Il y a de la santé là-haut tiens. Par ici. Ah mais j'ai pas le droit d'y aller. Allez. Niveau de faction augmenté, si vous le dites. Effort collectif. Ah bien. Ah c'est piégé. Pauvre. Voilà. Ça a marché. Entrons là-dedans. Ah bah évitons de bugger au moment de rentrer. Hein. Ça serait dommage. On en chie. Moi ce qui m'intéresserait serait cette attaque là, mais elle est pas avant le niveau 10.
On a 2 points de compétences disponibles apparemment. Je sais pas si c'est valable ça. Parce que ça risque souvent de me dire ah bah non tu peux pas le prendre. Ah bah non tu peux pas le prendre. Ouais, ça, ça a l'air d'être efficace. Forcément, j'ai pas vu, oui. Ok, très bien. Ça, ça peut être sympa. Ça peut être rapidement utilisé, mais c'est pas... Ça peut être pas les... Défense, je vais prendre ça. Allons voir. Alors, est-ce que cette fois-ci ça plante? Donc c'était à la porte après ce niveau-là. Vous étiez prisonnier vous aussi? Vous n'êtes pas un inhumain pourtant. D'après Tarleton, quiconque a des pouvoirs est une menace. Ils ont altéré ma physiologie pour que je n'utilise plus jamais les miens. Si je change de taille, je meurs. Je suis désolée. Je m'en occupe. Ouais, c'est une rush. D'après les dossiers, vous vous dirigez vers un labo sécurisé. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Une cage d'équipement de l'AIM. Je vous conseille d'essayer de l'ouvrir. Son contenu pourrait vous intéresser. Attention, c'est peut-être un piège. Le dernier, il était où déjà? Là. Accès autorisé. On peut utiliser tout ça comme bon nous semble. Bouf! C'est moi où il fait chaud! Exactement ce que je redoutais avec cette attaque. Je ne puisse pas l'utiliser parce qu'elle serait trop longue à utiliser. Désolé pour la lumière. Donc je me suis trompé. J'ai oublié ce à l'entrée, je sais. Ok. Si on n'avait pas autant besoin du loot, je ne serais pas allé aussi directement au... Putain, je crois que ça augmente ma défense. J'ai autant de défense que d'attaque. C'est équilibré sur le principe, hein, mais bon. C'est pas ce que je cherche. J'ai oublié le loot en bas. Autant pour moi. Ok. Allez, donne-moi du loot en or. Qui me donne du légendaire, je pète une durite. Ok, je suis vexé. Une caisse d'équipement. Ah bah voilà. Ouais, j'ai gagné 1% de défense. What? Je suis pas bon. Si c'est pour que ça replante derrière par contre On rajoute que ça donne du loot, ça va donner juste des ressources, ça normalement. Yes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez. Plante pas. Où est le labo? On est vraiment au bon endroit?
J'ai presque piraté le réseau de l'AIM. Ils cachent quelque chose. Occupez-vous de leurs troupes en attendant. Ça, on va s'en occuper. Surtout bonjour Freddy Jarvis. Aussi vite que le permet mon processeur, monsieur. Un de leurs agents a été neutralisé. Donne-moi mon loot! Excellent. Encore un agent éliminé. Allez, dégage. Beau travail. Cet agent est hors d'état de nuire. Encore un ennemi vaincu. J'aurais dû le voir venir ce coup-là. Ok, next. Rejoindre la position. Donc la mission est déjà terminée dans ce... Putain, je l'ai bourré. On a l'impression qu'il y a un monsieur qui hurle non. Faire un petit peu de santé. Bon, l'avantage c'est qu'on fait plein de petites quêtes à côté. Je sais pas au niveau de la carte de défi où est-ce qu'on en est. Laisse-moi deux secondes, voilà. Ok. Battez des héros, des ennemis avec des attaques héroïques, donc ça on approche de la fin. Ça par contre on les a pas encore. Faites. Très bien, la suite, ne plante pas. Je vais y penser maintenant à chaque fois. Ce qui est bien chiant. Je contourne leur sécurité. Un instant. Merci Jarvis. Comment on va l'en empêcher ? J'ignore si c'est possible, mais je peux tenter de le détourner de sa destination d'origine. On n'a plus beaucoup de temps, mais il faut essayer. Si j'avais du métal, je cognerais le jour. C'est son Mjolnir à lui. Il semble que l'on soit arrivé juste à temps. Connectez-moi à l'un de ces terminaux. Je dois contrôler les trois pour pirater ces systèmes de navigation. Soyez prudent. L'AIM voudra reprendre le contrôle de ces terminaux. Celui-là, on l'a eu. Ok, j'ai compris ce que c'est comme type d'émission. Nous avons perdu un terminal. Veuillez le reprendre. Non, bah... Ok. Ah, d'accord. Non ? Ah si, le terminal C, il est ici. Putain, le terminal C, il est vachement plus loin des autres. Ok. J'en connais un rayon. Je préfère celle-là. A repris un terminal. Putain, le temps de rejoindre le B. Le A va être déjà attaqué, j'imagine. C'est le C qui est attaqué. Ça se casse ? Ça se casse pas. Nous avons perdu un terminal. Veuillez le reprendre. Oh. Vexation. Oui, je veux bien me rendre au B et au A, mais... Merci, Hulk. L'unité de l'AIM a repris un terminal. Tu fais de ton mieux au moins, toi, mon pote. Allez. Un de plus. Salut. Ok, elle est attaquée. Ni B ni C. Ah. J'étais dessus en plus. Il va me falloir de la santé parce que je me suis pris un missile. Ils sont protégés par un... Sérieusement?
Les missiles sont un tout petit peu trop forts. Alors vraiment un tout petit peu. Bah oui, tant qu'à faire. Soyez prudents. La mission. L'AIM voudra reprendre le contrôle de ses terminaux. Nous avons perdu un terminal. Veuillez le reprendre. J'y vais. Ah, bah attends. Pas dit que j'en fasse autant. Nous avons perdu le terminal. Veuillez le reprendre. Le loot d'abord. Hein. L'AIM a repris un terminal. Ouais, mais c'est pas pour très long. Bah. Ouais, c'est bon, tu te calmes, toi. J'ai essayé de l'esquiver, mais. Nous avons perdu un terminal. Ouais, je sais, j'y vais. C'est la course au terminal, quoi. Oh putain. Prenez-les au plan. J'arrive. On peut y arriver. Non. Je l'ai vu qu'après. Ça suffit, la terreur. Jarvis, tu as pu le pirater ? Oui, monsieur. À 0,4 secondes près, le transport devrait arriver à la fourmilière en moins d'une heure. Ah, très beau travail, tout le monde. Nous nous pencherons sur ces échantillons. Jarvis qui semblait de se la péter. Bon. Bon équipement ? Tout ne s'est pas passé comme prévu. On a récupéré des échantillons très utiles, mais l'AIM est bien plus puissante que ce que je pensais. Et ils ont capturé beaucoup de mes semblables. On doit les oh là là, le jeu qui perd complètement Kamala, ses repères. Mais il nous faut du temps pour nous regrouper. Quand Tony arrivera avec le Chimère, il sera bien plus facile de lancer une offensive. D'accord, mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Retourne à la fourmilière, on pourra discuter de la suite. Le jeu qui perd complètement ses repères et qui me met un Q au lieu d'un A. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici Maddy, vous pourriez passer au labo vite fait ? Ah bah oui, toujours. Waouh, ça c'est stylé. Merci beaucoup. C'est bon. Vous étiez à San Francisco lors du Hay Day ? Bingo. J'y étais avec ma sœur. Votre sœur ? Où elle est ? Elle devrait être dans le coin. Je la reconnaîtrai. Elle est bleue pareil, mais elle s'appelle Cerise. Tu connais une Cerise ? J'aurais besoin de votre aide. Vous avez une seconde ? J'arrive. Ok, voilà ce dont j'ai besoin. Ah, faut les rendre ? Non. Oui ? Non. Non, faut pas les rendre. Sauver 3 alliés, il m'en reste encore un. Vous me sauvez la vie. Ce serait j'ai un doute. Si vous j'ai un vrai doute. Un coup de main. Mais apparemment, non. Merci. Dans tous les cas, merci. Ouais, voilà. Je préfère que tu le redises. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai appris ce qui s'était passé avec le vaisseau. Ouais. Ne prenez pas cet air triste, je voulais juste vous donner quelque chose. Salut. Salut. Ok, c'est tout ? Je mérite pas ça. Eh bien, la résistance n'est pas d'accord avec vous. Pas du tout. Oh, merci. Ah bon ? Vous vous rendez compte qu'on est tous du même côté, hein, ce qui veut dire que quand vous m'aidez moi, vous vous aidez vous au passage, hein, c'est même pas une question. Mérite.
J'ai perdu une skin. Cette skin. Tout va bien ? On dirait qu'il y a un problème. J'ai perdu une skin. J'ai littéralement perdu une skin. Waouh. Une pertinente issue de ses premières expériences. C'est pas suffisant. Je vais me retenir. Des pouvoirs de feu ? Impressionnant. Tu peux rentrer ? Ah, Dante ! Est-ce que ça va ? Cool, c'est tes pouvoirs. C'est pas le mec avec qui j'ai échangé un... Enfin, ils ont l'air géniaux. Moi, je suis polymorphe, je crois. C'est chouette, j'ai les bras élastiques, tout ça. J'essaye de pas avoir l'air trop nasse, mais bon. T'es inhumaine. Ouais. C'est quoi ton nom ? Dante. Kamala. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? T'es tabassé ? Je me suis cassé la jambe pendant la fuite. Ah non, c'est pire. Ah. Bah au moins tu t'en es sorti, hein ? Ma mère est revenue me chercher. Ouais. Moi j'ai fui. Mais ils l'ont capturé. Eh ben... Les Avengers seront ici dans 2 ou 3 jours, ok ? Ils vont reprendre la prison et... Ta mère sera sortie d'affaire, crois-moi. Mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute ? J'ai entendu les gardes, ils emmènent tous les prisonniers dans un autre endroit. Eh ben... Ils trouveront où ? Non, je crois pas. Tes Avengers arriveront trop tard. Attends, je vais t'aider. Non ! Tu comprends pas ? On est inhumains. On n'intéresse personne. Ah oui, la preuve, vous êtes pas un groupe de résistants. C'est pas vrai. Il faut que j'en parle à Bruce. On pourrait faire quelque chose. Apparemment, le fait de perdre des skins n'est pas... Je suis pas le seul dans ce cas, on va dire. Ultra dégoûté. Cette skin, je l'avais, on me l'a retiré. C'est pas normal. Il faut que je persuade Bruce et le docteur Pym de retourner à la prison. C'est pas normal, normal. Bonjour. Oui. Je voudrais que vous envoyiez un de vos châssis disponibles aux chimères avec du matériel. Oh. Et Roy, surtout, soyez discret. Tout de suite, docteur. Je dois bien le dire, c'est du pur génie. Hé, je peux vous parler ? Oui, il y a un problème. L'AIM va déplacer tous les inhumains. Bientôt. Ok. Toi, tu as parlé à Dante. Pardon, mais qui est ce Dante ? Un des inhumains qui ont survécu. On a pu le sortir de là, mais sa mère y est toujours. Et l'AIM a renforcé la sécurité après l'évasion. Je vois. Il va falloir les aider. C'est pas une bonne idée. Quoi ? Il y a des inhumains là-bas. Et aussi, il y a la mère de Dante. Non, on peut pas rester là à rien faire. On va pas rester à rien faire, d'accord ? Roy vient de partir avec les noyaux d'énergie. Tony sera donc là dans moins d'une journée. Il... Faut attendre. Je comprends pas. On a Hulk. Kamala,
La résistance essaie d'infiltrer cette installation depuis des mois. C'est pas avec eux qu'on va infiltrer quoi que ce soit. Plus facile que d'y entrer, et on avait de l'aide. Au sol, ces murs sont quasi impénétrables. Vous avez vu ce dont on est capable. Je peux aider. C'est trop risqué. Vous comprenez pas, vous êtes pas inhumain. Tu n'es pas prête. Désolé, on va attendre. J'ai une chambre. Cool. Ça résout tous mes problèmes. Désolé, merci. Je peux pas. Je peux rien faire. Madame Télékiné. Kamala Khan. Ah ! Vous ne dormez pas. En effet. Très bien. Je vais en informer le docteur Pym. Est-ce que tu pourrais ne pas le faire ? Bien sûr. Bonne soirée. Merci, Roy. T'es un amour. Tu es Roy, c'est ça ? Affirmatif. Cette unité restaurée par la Résistance m'obéit, comme beaucoup d'autres. Voulez-vous converser ? Allons-y. Pourquoi est-ce que tu gardes mon secret ? Vous êtes l'inhumaine protégée par Jarvis. Vous avez de la chance de bénéficier d'un tel privilège. C'est Merci. Jarvis qui commande... J'imagine. Commande Roy ? Il y a une espèce de hiérarchie des robots ? Ouais, je vais pas m'empêcher de visiter. Hein ? Alors ça, c'est moche. Installer des murs la nuit ? C'est moche. C'est ultra moche. C'est une superbe nuit, n'est-ce pas ? Merci, Roy. J'apprécie tout ce que tu dis pour moi. Tu es toujours... par ici ? J'essaie de me rendre aussi accessible que possible. Roy, tu vas bien ? Il a un petit côté C3PO, je trouve. Donc c'était des machines, finalement. Ce n'était pas des exosquelettes. Hey Kamala, vous n'êtes pas couchée ? J'allais inventer une excuse, mais je vais à la prison. C'est de notre faute s'ils transfèrent tous les prisonniers. Respect. Venez par ici. Vraiment ? What the fuck ? J'ai envie de vous faire confiance, mais vous aurez besoin de ça. C'est dangereux dehors. Merci, Théo. Cœur de bravoure des Nornes sacrés de volonté létale. Oh mon dieu. Dit comme ça, ça a l'air pété. Putain ! Bon bah vu que j'ai pas ma skin super-héroïque moche, je vais prendre une skin super-héroïque stylée. C'est toute dégueulasse. Ont besoin d'aide. Si ça fonctionne, alors tout sera pardonné. J'espère. Pas ultra d'accord. Par contre, elle ne veut pas courir. Elle ne veut pas courir. Ça, à mon avis, ça va être efficace. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a des ressources, mais le personnage ne voulant pas courir, je vais pas aller les chercher. C'est très Batman, du coup. Non, mais... il y a un problème. Alors je vais pas prendre par là parce que c'est pas par là. Oh. Pourquoi elle veut pas courir ? C'est quoi ce délire ? Ah,
Elle veut pas. Elle essaye, hein. Elle essaye de courir, mais elle ne veut pas. Je serai de retour avant que Bruce s'aperçoive de ma disparition. Tu peux courir ? On va essayer quelque chose. Même si le jeu n'aime pas ça. Faire ça, là. C'est ce que je viens de faire, le jeu n'aime pas. Ne le faites pas. Oh la vache. Et c'est drastique, hein. Je suis passé de 130 FPS. 120 FPS. Ah, en dessous de 60. Ça y est, là, elle court. Ces inhumains ont besoin d'aide. Si ça fonctionne, alors tout sera pardonné. J'espère. Allez, j'ai autre chose à faire. Je serai de retour avant que Bruce s'aperçoive de ma disparition. Ok. Allons-y. Perdons pas de temps. Nous sommes les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur. C'est l'espèce de dernier combat de Kamala, en fait, un petit peu, je trouve, en termes de... Wow. On dirait des réserves du Shield. Ils ont dû cacher ça là des années. Eh oui, peut-être. Utile. Pas plus de défense, mais utile. Ok. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien du tout. Hop là. Pas une caisse de stuff, ça, non ? Hop là. C'est moi. Un petit peu de ménage. Voilà. On n'est pas à l'abri de tomber sur une quantité astronomique de loot. Ça, c'est une sacrée preuve. Il faut pas que je panique. Une sacrée preuve. Ok. Rejoindre les cellules, libérer les inhumains. C'est du gâteau. Du gâteau. Elle est con. Elle est complètement con. Le du gâteau était complètement... Ça m'a tué. J'ai du mal à m'en remettre. Non. Vous êtes sérieux? À aucun moment vous avez pensé qu'on pouvait marcher par-dessus? Bon bah... Ah, j'ai pas le droit de... Une grande porte jaune. J'ai trouvé comment entrer. J'ai juste à ouvrir ça et je suis dedans. Ouais, j'entends des bruits derrière. Et si on disait que vous m'aviez pas vu ? Nettoyage ! Oh, j'ai même... Et donne de la santé, toi, s'il te plaît, merci. Un jeune enfant. Vous êtes vraiment nombreux, hein. Mais ça va, je vais m'en sortir. Hé, hey, les robots tueurs. Je me disais, je devrais peut-être donner un nom à mes techniques. Bon coup de pied aux fesses. Merci pour la santé. Ah, dommage. Et encore un derrière moi. Hein. T'as perdu la main. Oh. J'ai oublié, y'a pas un... Y'en a toujours plus qui arrivent. Et c'est là que Hulk arrive pour me filer un coup de main. Du loot bleu. Niveau 8, toujours ça de près.
La grosse main. Ah ouais! Oh non, pas maintenant! Pas encore! Oh, elle va se faire capturer! Les termes de notre accord étaient clairs. Nous fabriquons un remède, vous contrôlez les médias! Et nous avons tenu parole, mais votre remède miracle? Des enfants qui sont arrachés à leur famille, des enlèvements? Même mon influence a ses limites. Les gens veulent des réponses. Et vous aurez bien mieux que ça. Le lancement des adaptoïdes fera une parfaite diversion. Et après, il n'y a toujours pas de remède. Et des mots comme terrorisme sont utilisés au sein même de mon entourage. Oh, ça viendra, sénateur. Je fais entièrement confiance aux capacités du docteur Rapacini. J'ai l'impression que c'est elle qui est aux commandes, en fait. Il y a peut-être une part de mensonge dans tout cela. L'effet du gaz n'est pour l'instant que temporaire. Et sans ma formule pour les garder en vie, eh bien, le gaz... Les tue. Ça ne fonctionne pas. Ce gaz nous a donné l'adaptoïde. Ma formule t'a gardé en vie. Et si je pouvais découvrir comment cela se manifeste chez les inhumains, je pourrais en inverser les effets. Il y a tant d'opportunités. Nous en avons récolté assez pour constituer ton armée. Il est temps d'arrêter les frais. De tout arrêter. Leur conversation ne fait aucun sens. Hein. Ah! Pourquoi je fais ça? Moi qui déteste les enfants. Oh, t'aurais pu rester en tenue de l'AIM, hein. Ça me dérangeait pas. What? Ouais. Ouh. Ouf. Ce système de maintenance devrait me mener au labo de Monica. C'est probablement là que se trouve Kamala. Oh, y'a pas un coffre là. Tiens la porte. La question, elle est niveau 1 ? Elle est niveau 1. Allons-y, écoutez. Ah, oh, tant pis. Ils ont toujours pas modifié les codes administrateurs que j'avais configurés l'an dernier. Pas très mal. N'est pas resté vert. What? Bah, j'ai déjà... Je suis bloqué? Ah non, d'accord. Oh, la deuxième porte. Très bien.
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Des adaptoïdes. Je ne pensais pas déjà en production. Tarleton est en train de créer une véritable armée. C'est gentil, vous m'ouvrez toutes les portes comme ça. Moi ça me dérange pas mais Oh. Nice. Je ne dis pas non. La priorité, c'est le labo. Ouh. J'espère pour vous que c'est pas la gamine. Ouh, c'est moche. On voit la bouche. Il faut que j'entre là-dedans. Et les yeux. Ils évacuent le bâtiment. Les FPS sont aux fraises. J'espère que ça va tenir chez vous pour l'enregistrement. J'espérais un combat plus intéressant. J'avais clairement pas besoin de ça. Hein. Pardon, mais. Alors, du coup, ça c'est pourquoi? Je ne dis jamais non. Pas une deuxième, un deuxième atout. Docteur, c'est parti. Y a quelqu'un? Et voilà. Ils doivent protéger quelque chose d'important. Sympa la piole. Je crois savoir qui te commande maintenant. C'est bien ce qui me semblait. Des années d'espionnage à mon actif. Et c'est grâce à une gamine de Jersey City que je peux vraiment infiltrer le centre d'opération de l'AIM. Le fameux adaptoïde. Les adaptoïdes sont financés par le gouvernement. Des machines pour remplacer les soldats. Ces imbéciles contribuent à leur propre fin. Bon, apparemment, je n'ai rien oublié dans le coin. Let's go, la suite. C'est une porte devant ou... Ah, oh. D'accord. Pas pour moi. Une porte comme ça ne peut mener que dans le labo d'un génie machiavélique. C'est pas faux. Le labo de Monica, parfait. Il faut trouver où ils retiennent la gamine. Bizarrement, il y a des points de santé là-dedans. Oups. Pardon. Où est le panneau d'accès aux cellules? Ah, je me demande bien. Pour pouvoir y consulter les derniers journaux. Mais qu'est-ce qui t'a pris, petite? T'aurais dû rester cachée. Bien ah, merde. Sûr. Ok. Où est-ce que t'es? Le terrigène noir. Aucun de vos remèdes n'a jamais fonctionné, Monica. Apparemment, le terrigène noir, le dark terrigène, c'est la donc le fameux remède. Oh là là, les... Vous ne cherchez même plus de remède. La formule garde les inhumains en vie assez longtemps pour leur prendre leur pouvoir. Je vois un robot en haut. Pour vos expériences tordues. Avec une épée de sortie. Des adaptoïdes. Les sous-titres sont morts. Il faut que je trouve Kamala. Oh
Oh là là, les sites sont complètement morts. Salut. De nouveaux amis. J'imagine qu'on peut pas négocier. J'arrive. Suffisant ou pas? Oui, nice. Next. Il est temps de joindre tes amis. Vous pouvez pas imaginer combien de fois j'ai voulu casser vos sacs-têtes normaux. Ça défoule encore plus que ce que je pensais. J'ai plus de balles, ça continue. J'ai pris des dégâts. Ah, je prends les dégâts de gaz. Wouah! Ça fait mal? Quelques souvenirs de la bêta, si tu vois ce que je veux dire. Et boum! Ah, c'est fait. Protocole de décontamination. Super. Je dois empêcher le gaz de se propager. Ça a marché. Pas de chance, hein. Le seul angle par lequel ça ne marche pas. Personne n'a jamais compris que j'étais une espionne. Recercle-les ! Wouh ! Je m'en doutais. Elle est imparable. À part avec une esquive parfaite, je pense. Et encore. Je suis vexé. Je suis assez vexé parce que là... Oh, il m'a quand même mis un coup l'autre. Ah, j'aurais voulu prendre la santé. Ouf. Tendu le jeu, hein. Calence au niveau de difficulté. Kamala se trouve sûrement dans le bloc de cellules principales. Il déplace les inhumains. J'espère que j'arrive pas trop tard. Ok. Ennemi en vue. Alors j'ai pas accès à ces autres compétences, hein. Pour une raison que j'ignore. Vous cacher derrière ce truc va pas beaucoup. Par contre, quand t'as un bouclier, tu me fais le plaisir de l'afficher. Merci. Je n'ai toujours pas accès aux compétences de la demoiselle. Ah. Ça m'intéresse pas, coup de fouet. Ça pourrait être intéressant. Faudrait une AOE. Et j'en ai clairement pas. Je
Dis-moi que ça le couche. Il a beaucoup de points de vie. C'est le moment de s'évader. Ok, non, ça s'ouvre pas. Et je vois pas. Peut-être là. Non. Pas de coffre, rien. Donc, la suite. Ils ont dépassé largement le. Ah non, on est à peine à 2 heures. Cool. Il faut que tu sois là, Kamala. Je t'en prie. Encore ? Un signe de Kamala. C'est peut-être une issue de l'autre côté de ces murs. Et oh 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 oh, attends, parce que là... Il faut que je rappuie sur... Ah bon ? Ah, pardon. Hop, ça marche pas, hein. Ah bah voilà, donc c'était F. Le jeu affiche Q. Mais c'est F. Ah la couchée, oh les douilles. Ouh. Ok. C'est bon. Apparemment c'est bon. On s'approche des 2 heures. On a dépassé les 2 heures. Ah. C'est bon ? Pas de crash, pas de crash. Bonjour ! Blung, blung. Ah non, je me suis pas pris de coup. Des pieds de mouche. J'espérais bien qu'on se croiserait. Wouh ! Je l'ai pas vu venir ce coup-là. Qu'est-ce que... Raté. Oh, il finit par une AOE. J'aimerais bien le finir par une... Voilà. Couché. C'était pas encore facile. Si Tarleton a une armée de déchets à disposition... On pourrait avoir des problèmes. Allez-y, essayez de m'arrêter. Allez, j'ai dit essayez. C'est tout ce que vous savez faire? Elle est quand même vachement fun à jouer, hein. C'est assez incroyable. Vous voyez, j'ai pu aller combattre corps à corps un gros machin. Oh. Ça fait du bien de se défouler un peu sur ces ordures de l'AIM. Salut. Je dois quand même t'éliminer. T'es mignon, mais je dois quand même t'éliminer. Il est. Personne n'a envie de s'enfuir. Allez, une petite course poursuite. Juste toi et moi. Elle est pas facile à caler en vrai. Oh, j'ai eu peur qu'il passe.
J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils sont stylés ces robots là, visuellement je trouve qu'ils claquent. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait un deuxième coup, mais écoute, coucher. Je perds du temps, il faut que je déverrouille la porte. Bon et franchement ça va, on est plutôt efficace hein. Oh, encore. Le framerate qui était aux fraises, espace un instant. Cool. Encore les toyos. Les toyos, les toyos, les toyos. Les toyos. Oh, ça fait très étoile noire. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que la référence est là, mais... Cette terrasse mène aux cellules des animaux. Je crois que ça allait être short, en vrai. Oh putain, le bruit que ça a fait, ça m'a fait flipper. Ça me fait chier que j'ai perdu une skin. Bah oui, quand même. Depuis quand on fait des choses inutiles dans les jeux vidéo? Non mais... J'aurais pas vu toi. Oh bah continuons alors. Framerate, merci. Alors, y'a Kamala dans le tas ou quoi? Ce n'est pas aussi percutant que Black Widow, n'est-ce pas? Il vous en a fait. C'est moi qui vais te percuter, tu vas voir. Moi qui pensais que vous étiez le cerveau de cette opération. C'est le cas, merci de l'avoir remarqué. Encore un adaptoïde. Et donc, si vous êtes de commande, c'est quoi votre objectif? Oh, à chaque fois, je le rate, celui-là. Ok, je vais essayer de miner, alors. George et vous, vous utilisez des inhumains pour vos adaptoïdes. Cette formule de régénération les maintient en vie juste assez longtemps pour que vous puissiez vous emparer de leur pouvoir. Ça fait partie du plan. Mais j'ai de plus grandes aspirations. Remplacez les Avengers. Vous n'êtes pas le centre du monde. Oh, j'ai pas été touché, c'est faux. Allez, dégage. Ah, j'ai pas eu le temps. Ça passe pour l'instant. Elle est. C'est étrange, elle est extrêmement tendue à jouer, elle est extrêmement sérieuse à jouer. Aïe, ça jette un froid. Oh. Je savais pas qu'il y avait un follow. Fais chier à faire ça, toi. J'ai pas eu le temps. Je prends cher. J'ai pas mon. Ah, non. Ou pas? Ça va, tu vas pas le faire follow encore plus longtemps ton truc? Merci. Ah non, toujours pas. Esquive celle-là. Bon, petite pause loot. Ah bah non, même pas. Peut-être petite pause point de compétence. Non plus.
Comment tu veux que je l'envisage ce coup là? Wouah! Bah alors, ça fait mal? Boum! Cette humiliation sur la fin avec le petit coup. Vague de puissance. Bah, il était peut-être temps de me le montrer, effectivement, ouais. Et de me faire apparaître aussi mon... mon interface. Ce coup tellement néo. Raté. Eh ben non. Allez, couché. Oh, c'était beau. C'était très très beau. Encore. Du gaz paralysant. Il doit y avoir un moyen de le désactiver. En appuyant sur le bouton. Peut-être. Appuyer sur le bouton. Merci. Bonjour. Monica, bel engin. Vous m'avez causé assez d'ennuis comme ça. Et je n'ai pas terminé. Où est la fille, Monica? Oh, ce ne sera pas si facile. Où est-ce que vous emmenez les inhumains? Dans un endroit sûr. Pas question de vous prêter des jouets. Évidemment, vous ne voyez ces gens comme des jouets. Non, pas des jouets. Des sacrifices nécessaires pour le bien commun. Une vraie réplique de méchant. Vous seriez pas en train de vous faire la moustache, Satan? Vous pouvez vous moquer. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le futur de l'humanité. Vos prisonniers aussi sont humains, Monica. Ça y est. Il y a toujours des dommages collatéraux. Vous devriez savoir... J'ai toujours pas accès à mes... On m'a déjà sorti cet argument. Il y a toujours des gens qui meurent à la fin. Et ça finit par la même manière avec vous. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'ai pas oublié le Eiden. Moi non plus. C'est rigolo, c'est elle qui a déclenché le AID, mais c'est elle qui s'en sert comme excuse. Tant que vous enfermerez des gens dans des cages, je serai toujours là. Dommage. J'avais complètement oublié leur point faible. Ah la vache, casse-couille ça. Eh oui. Ah la vache, je l'ai bouffé en pleine tête celui-là. Allez voir ailleurs si j'y suis. Ah non, y'a rien ici. Bon, cela dit, le poison est pas vraiment... J'ai pas compris ce que ça a fait, mais... Ah! Ça, ça va être chiant. À force. M'embête, j'ai pas beaucoup de santé. Marcus, sérieusement. Joli plongeon! Ah bah.
Permet que je recharge, merci beaucoup. C'est bon. C'est ultra pratique hein, pour le coup sur ces adversaires là. Merci pour le... Elle a changé de canon. Les missiles s'est pété madame. Oh ah, elle est passée à l'élément feu surtout. Allez, cours-moi dessus, cours-moi dessus, cours-moi dessus, cours-moi dessus. Elle essaye de m'attraper. Ouh, raté. J'ai dû ranger mon train pendant 5 ans. Et franchement, ça c'est sûr que c'est pas celui de Georges que t'as rongé, pardon. Botter les fesses. Ah ouais. Vous laissez dans mes pensées. Elle était facile. Mur de flamme, ok. Elle change d'élément ou... Non, même pas. Oh bah... Ok. Monica, Famrate, s'il vous plaît, merci. Vous avez pas mal de comptes à rendre. Où est-ce que vous avez emmené les inhumains? Vous aimeriez le savoir, hein? Oh, bon sang. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'ai une invitée spéciale ici. Attachez-la. On l'emmène avec nous. Ah bah au moins on a des copains. Besoin d'un petit coup de main? C'est pas... Ah! Dites, bah il est réparé. Vous auriez pas vu une ado, cheveux bruns, grande comme ça? Oui, oui. Dans les cellules, oui. Mais elle a pas voulu nous suivre. Ok, allez-y. Alors lui il va mourir, parce qu'on l'a vu récupérer du pouvoir, enfin du terrigène noir, et que du coup s'il a pas sa dose... Ah bah là tu devrais... Black Widow? Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, fichons le camp d'ici. Je vais rentrer. À Jersey. Je sais pas pour qui je me suis prise. Une héroïne. J'ai un Queen Jet rempli de gens qui pensent que t'en es une. Belle réponse. J'ai pas pu tous les sauver. La mère de Dante... J'ai échoué. Et... Tout le monde commet des erreurs. Pour être honnête... Moi non plus, j'ai pas assuré à Jersey. La baleine? L'important... c'est de se relever. C'est ce qui compte. Allez, faut qu'on fiche le camp d'ici. Vous êtes sérieux? Y'a un mec qui escorte la grande méchante? Tintintin. Est-ce que ça va? Allez, câlin! Je suis désolée. J'ai vraiment déconné. Non. Tout va bien. Et si tu... Et si tu entrais? La ballerine? Contente de te revoir aussi, Bruce. Ouais. Alors, ça t'a plu ce sauvetage in extremis? Tu vas à la pêche aux compliments, Tony? Rejoins-moi sur le pont de commandement. On a peu de temps pour agir pendant que l'AIM est en retrait.
Bon, okay, du coup, un épisode qui dépasse largement les 2 heures. On va se laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures dans Marvel's Avengers. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lag dans la vidéo. Malheureusement, ça vient littéralement du, à mon avis, du jeu, hein, encore une fois. Et je ne peux pas faire grand-chose vu que le jeu, en fait, pompe simplement plus de mémoire au fur et à mesure que je l'utilise. Qui j'ai envie d'être aujourd'hui ? Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et je vous retrouve très vite. Salut et yop !